Salut à tous, c'est Magic Fun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 5e tour de magie, expliqué bien entendu. Alors, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour le nombre d'abonnés qui augmente aussi rapidement. Merci à tous. Pour ce tour, on va d'abord commencer par la démonstration, et puis comme d'habitude, l'explication juste après l'intro. Allez, c'est parti. Alors, pour ce tour, on a besoin d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes normal, un jeu de cartes basique. On peut voir que tous les dos sont identiques et que toutes les faces sont différentes. Alors pour commencer, le spectateur va me dire stop quand il veut, lorsque je vais effeuiller les cartes. Alors comme d'habitude, je n'ai pas de spectateur, donc je vais le faire à sa place. Admettons qu'il me dise stop. Maintenant, ça fait un petit paquet de cartes qu'on va poser sur le côté. Et maintenant, je vais étaler 20 cartes sur le tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vais les remettre un petit peu plus clairement. Comme ceci, voilà. Et pour déterminer la carte du spectateur, on va en fait prendre le nombre de cartes qu'on a enlevées du jeu au début du tour. On va compter ce nombre de gauche à droite et on verra à quelle carte il correspond. Donc ça sera le pur hasard. Au début du tour, on avait donc pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cartes qu'on avait prises au début du tour. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e carte, c'est le 7 de trèfle. Alors le 7 de trèfle, c'est une carte, ça aurait pu être n'importe laquelle, mais c'est le hasard. Alors, il faut savoir qu'avant de commencer le tour, j'avais écrit une prédiction que j'ai placée dans l'étui. Et cette prédiction, c'est 7 rouges. Sauf que je viens de m'apercevoir qu'il y a un petit problème, parce que 7 rouges, la carte que le spectateur a choisie, ce n'est pas un 7 rouge, mais un 7 noir. Donc ça pose un petit problème, mais j'ai une idée, regardez. Si on se concentre très très fort sur le rouge et qu'on tape sur le 7 de trèfle, on peut s'apercevoir que le 7 de trèfle est la seule carte rouge. On va passer directement aux explications. Alors, pour réaliser ce tour de magie, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes normal. C'est mieux s'il est bleu, on va voir ça par la suite. Et d'un set de trèfle rouge. Alors là, c'est essentiel qu'il soit rouge. Pour commencer, vous allez placer le set de trèfle rouge dans votre jeu, mais pas à n'importe quelle position. Vous allez le placer précisément en 21e position en partant du dessus. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et à la 21e position, vous allez venir placer votre set de trèfle rouge, comme ceci. Donc là, vous avez votre jeu normal, c'est juste qu'en 21e position, vous avez le set de trèfle rouge. Voilà. Donc, vous arrivez sur scène, vous sortez votre jeu de son étui. Et j'ai oublié de vous préciser quelque chose, c'est qu'évidemment, il va vous falloir une prédiction que vous avez placée dans votre étui. Donc, vous allez prendre par exemple un bout de papier où vous allez écrire 7 rouges, comme ceci, que vous allez placer dans votre étui, d'accord? Comme ceci. Donc vous mettez le jeu à l'intérieur et vous sortez le jeu. Vous laissez l'étui sur le côté et vous dites que tous les dos sont différents. Et là, il faut faire très attention que tous les dos sont identiques, pardon. Il faut faire très attention à ne pas montrer la carte rouge. Donc pour cela, je vous conseille de montrer bien les premières cartes, mais après de faire passer un bloc de cartes. Donc ici, on l'a vu. Montrer un petit peu les premières cartes. De faire passer un bloc de cartes. Il faut faire très attention. Comme ceci. Et de montrer le reste du paquet. Donc faites très attention à ne pas montrer la carte rouge, sinon le tour est fichu. Voilà. Donc à vous de... À vous de cacher, de masquer... cette carte rouge. Voilà. Ensuite, vous pouvez montrer les faces.
Donc les faces là-dessus, il n'y a pas de problème. Elles sont vraiment différentes. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez demander à votre spectateur de vous dire stop quand il veut. Vous effeuillez le jeu de cette manière. Il vous dit stop quand il veut. Admettons qu'il dit stop ici, voilà. Ça vous fera un petit paquet de cartes que vous allez poser sur le côté, sur le tapis. Et en fait, ça, vous allez réaliser un forçage. C'est un forçage mathématique. Puisque le nombre de cartes que vous avez prises ici, on va compter ensuite dans les cartes que vous allez étaler. Et bien tout simplement, il correspondra parfaitement pour que ça tombe sur le 7 de trèfle. C'est mathématique, ne cherchez pas à comprendre. C'est juste mathématique. Donc, vous allez retourner votre jeu comme ceci, face en l'air. Et vous allez étaler 20 cartes sur votre tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors là, vous pouvez voir que le 7 de trèfle est dans ces 20 cartes. Vous les remettez bien comme vous voulez. Alors évidemment, ne faites pas l'erreur de les mettre face en l'air, dos en l'air. Sinon, on verrait évidemment la carte rouge. Mettez-les les faces vers le haut, comme ceci. Là, vous dites que vous allez prendre le nombre de cartes qu'on a enlevées du jeu au début du tour et qu'on va compter ces cartes de gauche à droite. Et on va voir à quelle carte ce nombre correspond. Donc, vous comptez les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes dans mon cas. Et là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, la 11e carte, c'est comme par hasard le 7 de trèfle, la seule carte rouge. Donc vous la mettez où vous voulez. Et là, c'est très important, vous allez regrouper tout le paquet et faire un beau ruban. Un bel étalement de cartes, donc à savoir que je ferai un tutoriel sur le ruban très prochainement, dans ma prochaine vidéo, je pense. Voilà. Donc c'est très important de faire ce ruban. Pourquoi ? Pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est joli et que ça regroupe tout le jeu. Et puis ensuite, parce que ça met en avant le bleu du jeu. Et ça fera encore plus ressortir le rouge. Et donc là, je pense que vous avez compris. C'est très simple. Le tour est fini. Vous n'avez plus qu'à révéler votre prédiction. À montrer qu'il s'agit du 7 rouge. Vous faites comme si vous étiez étonné qu'il y avait un problème, que votre tour avait raté. Mais en fin de compte, vous annoncez que, avec une petite passe magique ou ce que vous voulez en tapant dessus, le 7 de trèfle est la seule carte rouge. Et je suis sûre que ça impressionnera beaucoup de monde autour de vous, parce que c'est une prédiction semi-fausse. Au début, vous faites semblant d'avoir raté votre tour, c'est un peu la panique. Mais en fin de compte, vous arrivez à vous en sortir avec une prédiction qui se trouve exacte. Eh bien, j'espère que ce tournoi magie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire tout en bas. Vous pouvez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup à progresser. Et puis moi, je vous dis à très vite pour des tours de magie toujours plus incroyables.